Well, I'm drifting like a ship out on the sea. Drifting, drifting like a ship out on the sea. Ain't got nobody in this world to care for me. Avec John Jorgensen, il y a tout de suite eu un truc. Parce qu'à un moment donné, il a pris une guitare dans une soirée, quand je leur ai proposé mon idée saugrenue, quoi. Et il y avait une guitare qui traînait, il a commencé à jouer des vieux trucs des Beatles, il a fait Bus Stop des Hollies, toi, tout seul. J'ai fait, waouh, comment tu fais ça? Et on sentait qu'on avait la même culture. Il a fait des trucs des Kings, de Crosby, Stills, Nash, toi, des Yardbirds. Et on savait qu'on était, on doit avoir à peu près la même collection de disques, toi. Donc c'est vrai qu'il y a... Déjà, le mec est vraiment cool, toi, très affable, très sympa et tout, et hyper humble. Donc, c'est vrai qu'avec John, il y a tout de suite eu une accroche. Ça fait des années que j'utilise du Ernie Ball 1046. J'ai appris avec des cordes un peu plus fortes, plus heavy, avec du 11. À un moment donné, je suis allé jusqu'à 12, 1256, 1152, tu vois. Puis un jour, je suis tombé sur la guitare d'un mec qui était en 1046 et j'ai fait « Ah ouais, c'est cool, pourquoi je me fais mal aux doigts ?» Disons que c'est toujours pareil, quoi, quand t'as des tournées, puis que tu joues tous les jours, toi, et puis pendant 2h30, avec de l'intensité, à faire des bends de notes et tout ça, bon, tu commences à avoir des rails dans les doigts, quoi. Et donc, si t'as pas assez de jours de repos, tu te fais vraiment mal aux doigts. Donc, 9,42, c'est trop souple pour moi. Bon, c'est sympa à la maison, quand tu forces pas, mais 10,46, pour moi, ça le fait. Tu peux jouer slide, même avec une action assez basse, si ta guitare est bien réglée. Ça fait très bien l'affaire, quoi. Ma première guitare, c'était une SG Junior que j'avais achetée en Angleterre, blanche et tout, et j'avais vraiment trouvé un truc, mais j'étais obligé de la revendre. Après, je me suis baladé sur Strato. J'étais assez fan d'Hendrix, Jeff Beck, Rory Gallagher, tous ces gens-là. Donc, il me fallait ce son avec cette attaque, ces médiums et tout. Mais c'était pas la guitare sur laquelle j'étais spécialement plus à l'aise. Mais après, je me suis retrouvé à jouer sur des Les Paul, dans des jams comme ça, session. J'étais pas très à l'aise. J'ai bien aimé quand je me suis acheté une 3-3-40, parce qu'on l'avait bien comme ça. Et tout doucement, je suis revenu vraiment vers la Gibson. J'ai déjà dit dans certaines interviews que c'était le son de cette guitare, qui est un peu rauque, un peu médium, comme ça, un peu sale, correspondait à ce son de voix que j'ai, auquel je ne peux rien faire, mais il faut pas que le son de la guitare soit trop beau, quoi, tu vois. Et donc c'est vrai que l'association typique un peu du blues, quand on chante et quand la guitare cause à notre place avec quelques notes, il faut que ça matche bien. Et donc, je pense que ma voix avec une Gibson marchait mieux, quoi, dans cette association, un peu. J'ai jamais cherché à avoir une grande technique guitaristique, parce que pour moi, je fais de la musique, et le but, c'est la bonne chanson, déjà. Une chanson, c'est pas un prétexte à faire 3 heures de solo de guitare, quoi. Pour moi, il faut que la guitare s'insère dans le morceau. Ce qu'on raconte, les mots qu'on dit, la voix, la sensibilité que peut avoir la voix, tout ça, c'est un ensemble. Donc pour moi, c'est pour ça que j'aimais bien des gens comme Peter Green, tout ça, parce qu'il y avait juste la sensibilité qu'il faut avec le super son. Et pareil pour B.B. King, pour des tas de gens comme ça. Donc moi, qui n'ai jamais cherché à être un virtuose, je suis plus sur l'approche, ouais, du côté sexy même de la guitare. C'est pour ça, même quand on parlait des vibratos, des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on exprime à l'intérieur, qui peut être comme le vibrato d'un saxophoniste ou un vibrato d'un chanteur ou d'une chanteuse, quoi. Donc c'est... Voilà, mais le Less Is More, pour moi, est complètement convaincant, quoi. Ouais.
c'est plus... Alors Eric. Eric, bah... Et enfin le dernier, un guitariste que t'aimes beaucoup, dont on avait parlé la dernière fois, la manière de Rory. Ah, vache, Rory, lui c'est plus... Et puis Rory jouait. Premier riff de guitare. Ce premier riff que t'as appris. Ouais, je crois que ce qu'on apprenait tous à l'époque quand on était môme, c'était. C'est le What I Say de Ray Charles, c'était le riff de base, on entendait ça à la radio, et c'était relativement simple, après, tu passes sur le deuxième accord, donc c'était le, assez simple d'apprendre ce genre de choses. Après évidemment il y avait, toi, le détripper des Beatles, ou ce genre de riff évident, toi, qu'il pouvait y avoir, mais... Est-ce que tu aurais quelques conseils en fait, à donner à des jeunes guitaristes en fait? On imagine un gamin qui a 10 pises, 10-12 ans. Si par exemple, je sais pas, genre je te fais un shuffle en mi comme ça, qu'est-ce que tu ferais en fait? En pensant que face à toi, tu as un guitariste qui est vraiment limité techniquement. Donc, c'est juste sur un truc en mi. Qu'est-ce que lui faudrait qu'il fasse? Ouais, qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Je lui dirais d'abord de faire ça. Parce que le premier truc de base, c'est d'arriver à faire ça bien. Parce qu'avant de faire des solos, pour moi, il faut être un très bon rythmique. Donc, il faudrait déjà qu'il sache vraiment bien faire. Après, il y a tous les plans simples. Tu peux rester que faire des plans qui sont sur le tempo. Après, quand tu t'es un peu apprivoisé, tu peux... Tu t'amuses sur la thématique rythmique. Le truc, c'est de... Pour moi, le truc essentiel pour un guitariste, c'est déjà savoir faire cette rythmique, quoi. Moi, avant d'essayer de faire des solos, tout à l'heure, tu me parlais du truc, et là, je te parlais des trucs des Stones, mais les premiers trucs que j'apprenais, c'est vraiment de savoir bien faire... De faire une pompe comme ça, qui fait que, déjà, avec la batterie, ça suffit à soi-même, toi, t'es... Tu vois, et t'es là, donc déjà ça groove, quoi. Avant de savoir faire des solos, il faut déjà avoir une efficacité rythmique. Et ça t'apprend plus tard, même pour le placement de tes notes, à être toujours bien sur le tempo, à pouvoir t'amuser avec le tempo, être au-dessus, te balader et tout. Parce que tu sais que derrière, tu tapes du pied comme ça, quoi. Ça, c'est le plus important. J'ai rencontré des tas de jeunes guitaristes qui étaient à donf sur le manche. Tu leur demandais de faire Honky Tonk Woman, tu vois, et ils savaient pas faire une rythmique, quoi, tu vois. Parce que eux, leur but, c'était d'être un cavaleur de manche, et ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien.